T'en as marre de packer des joueurs nuls sur FIFA et tu voudrais avoir une équipe comme celle-ci, alors je te conseille d'aller sur IG Vote. Avec mon code AXOSKILL, tu auras 6% de réduction. T'en as marre d'être en division 7 sur FIFA ? Alors check Level Up, la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez-moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, c'est la fin de saison sur FUT. Du coup, j'ai les packs des 90 matchs. Alors là, vous allez vous dire, oui, j'ai fait 90 matchs, j'ai que ça à foutre. Les gars, je vais vous expliquer. Du coup, on a beaucoup de gros packs à ouvrir. Je crois qu'on aura 5 packs à 100 000. On va faire du coup plein d'SBC, des trucs futises, des trucs métamorphosés. Du coup, ça va être une très très grosse vidéo. On espère qu'on va avoir du lourd. On est parti, let's go. Avant-hier soir, j'étais à 48 matchs. Après mes 8 victoires, en fait, mes 8 victoires, je les ai fait cash, direct. J'ai vraiment pas perdu de temps. Et je me suis dit, vas-y, il reste 2 matchs pour le palier des 50. 2 matchs. Moi, j'avais un peu la flemme, tu vois. Du coup, j'ai bloqué mon machin. Sauf que dites-vous, les mecs, ils ont quitté. Du coup, ça allait hyper vite. Je dis, putain, mais attends, ça va vite. Mais attends, là, de 50 à 90, il reste 40 matchs. Est-ce que j'ai osé faire ce que vous pensez? Bah, la réponse est oui, les gars. Et bah, franchement, ça allait très vite. En plus, c'est bien parce que, tu vois, j'ai la console. Là, j'ai le PC. Du coup, je faisais mes petits trucs. J'avais des mails à faire. J'avais du montage à faire, et ben je lançais mon petit match, et puis voilà, ça jouait. Ça jouait tranquille. Et même, j'ai eu encore un truc encore plus malin, c'est que j'ai mis un joueur Bundesliga, au cas où, titulaire. Et dites-vous, il y avait des mecs, ils faisaient comme moi, du coup, ben je marquais un but et je gagnais le match. Du coup, Mbabu, je l'ai presque fini. J'ai fait 5 victoires comme ça, je crois. Du coup, Rivals, saison 7, récompense hebdomadaire disponible. On va récupérer ça. Du coup, comme d'hab, choix numéro 2. On aura du coup 2 packs à 100 000, 2 packs à 50 000, 2 packs Amelio et le fameux choix où on n'a jamais rien. Et du coup, les récompenses fin de saison, ben voilà, ça c'est vraiment sur la globalité. Normalement, on a fait les 90 matchs et on aura 3 packs à 100 000 et 2 packs joueur prime. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Du coup, on est rétrogradé en Div 2 comme d'hab. Et ça va nous faire un max de packs. Vas-y les gars, on ouvre ça pour commencer. C'est la fameuse carte rouge là qui sert à que dalle. Allez, c'est parti. C'est que des 84. C'est pour ça que je fais même pas de prédit là-dessus. 500 000, 2 50 000, 2 joueurs prime. C'est vraiment des gros packs. Est-ce qu'on va avoir 10 futises, les gars? Dans les 10 gros packs, dans les 9 gros packs, 10 futises. C'est jouable en vrai hein, d'avoir 10 futises là-dedans. Bon, bah écoutez, on est parti. Allez, on commence dans l'ordre croissant, les gars. On commence par les 2 hors prime, après 50 000. Et après, on fait les 100 000. Allez, c'est parti. Ça commence très bien. Même pas d'animé. C'est qui, ça? C'est Ndombele. OK. Et regardez, déjà, direct. Allez, Edun. Ça va être qui? Ça va être Spinazzola. C'était une carte qui coûtait cher, ça, en plus. Hein. Mais bon, après, c'est de l'invendable. Hein. Mais déjà, une. Il en reste plus que 9. Ça se trouve, il y en a même 2 derrière. Allez, boum. Il y en a 2. Eh oui, les gars, ça va aller vite. Je vous le dis, les mecs. Hein. Regardez, 2 notes. Di Maria, Spinazzola. Vas-y, allez. Deuxième et dernier pack à 50 000. Allez, voilà. On est sur la troisième, les mecs. Ça va être qui? Ça va être Benzema. Pas mal en plus, c'est une belle note. Karim. Karim le Dream. Eh, on en a 2 les mecs. Regardez Ben Yedder. Ça fait 4 les gars. 4 cartes spéciales futises. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Le 2 pour TDS. Vas-y TDS, c'est parti numéro 2. Il y a un 84 de gêne garanti là-dedans. Allez, ça tombe comme des petits pains. Brésil, DC. Ça va être Marquinhos les gars. En plus, il a une belle carte Marquis. Hein. 90. Du coup, plus que 5. Et si ça se trouve, ça cache. Si ça se trouve, ça cache en plus. Ah bah oui, ça cache. Diogo Jota. Plus que 4 cartes, les mecs, pour la prédit. Plus que 4 cartes à avoir pour la prédit. Et encore une, ça va être qui? Ça va être Sangari, je crois. Ah non, Caissier. Caissier. Caissier qui, à l'époque, était très cher. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était une valeur sûre. Hein. En vrai, là, le pack est pas terrible du tout, hein, celui-là. Celui-là, il est mauvais, limite. Hein. Ah, fait chier, putain, les doubles, quoi. Obligé, Cavalero, je vais le tester. Il a une belle carte. C'est le seul futis que j'ai fait avec les objectifs. Mason Mount et Rhys James. C'est qui? MOTM. Ça compte, les gars. Guedes. Du coup, il en reste combien? 3? Eh, les gars, imaginez, on fait pas... Il faut en avoir 2, là, les gars. Ah, c'est quoi, ça? C'est du fire. Et c'est Valverde, les gars. Valverde. Pareil, lui, il valait cher. Hein. Il valait très, très cher, Valverde, hein, pour ceux qui se souviennent. Bon, bah, maintenant, il vaut plus rien. Ouais, 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 ouais. Il y en a 2. Schultz et Valverde.
Mais là, en vrai, c'est soit il en reste une, soit c'est fini la prédit. S'il y en a, ils disent 3, il y en a, ils disent 2. 10, les gars, c'est bon, la prédit, elle passe. Dernier pack à 100 000, les mecs. Quoi qu'il arrive, la prédit, elle est finie, hein, les gars. Elle est passée largement. Du coup, là, c'est du bonus. Et on a du fire. Et ça va être Gabriel Jesus. Pareil, c'était un des meilleurs, lui. Hein. C'est pas celui-là qui est 5 étoiles, les gars. Ouais, c'est le fire, les mecs. À votre avis, ça va être lourd ou pas, 86+. Allez, c'est parti, les gars. C'est ouvert. Allez, en avant. Allez, pays, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, il y a du spécial, là. Bah, il n'y en a qu'un régulier, c'est l'allemand. Sinon, on a anglais, on a un petit brésilien, là. Ah ouais, c'est Casemiro. On a un 87, et après anglais, 84 défense. Ouais, je sais pas qui c'est. Casemiro, déjà, 90, hein, ça fait un fodeur. Vas-y, go découvrir, les gars. Ouais, bah, Casemiro, les gars. Bah, c'est pas terrible, hein. Mais bon, après, ça fait une note. Allez, go faire celui-là. Avec tout ce qu'on a eu... On a eu plein de notes. Choix joueur 93+, métamorphose. Premier défi, c'est OK, les gars. Putain, je suis tout petit, faut que je me mette plus droit dans ma chaise. Allez, c'est bon, on va soumettre ça, les mecs. Dernier défi. Et on a quasiment tout jeté. Bon, il nous reste des fodders, mais c'est vrai qu'il fait mal. Il fait mal là où je pense, hein, celui-là. Allez, attention, c'est parti, les mecs. C'est ouvert. Bon, faites qu'on ait des bons trucs, là. Faut voir du drapeau français, les mecs. Drapeau français. Algérie, c'est Attal. Italie... Espagne. Italien, c'est Spinazzola ou peut-être El Shaarawy. Spinazzola, c'est pas mal. Après, il y a Attal. Sinon, Espagne, je sais pas. Allemagne, ça a pas l'air fou. Ça a pas l'air fou, Allemagne, les gars. Allez, attention. Ouais, Spinazzola, ok. Il y a Emre Can. Il y a Attal et Spinazzola. C'est pas nul, quoi. C'est pas nul, hein. Pas ridicule, ça va. J'ai eu peur, d'El Shaarawy. Hein. Vraiment, même note. Italien, je l'avais en double en plus. Enfin, je l'avais. Ça m'aurait pas fait plaisir. Renfort héros, fut métamorphosé. Je pense, les mecs, on va s'arrêter là-dessus après. Pack héros métamorphosé. Allez. Bon, on a beaucoup d'héros hein, dans le club. Je vais pas les citer. Si on va les call. Je vais pas les call. Surtout, je vais pas call. Call. Joe Cole. Ça serait très moche. Ça ferait 4 fois, Joe Cole. On l'a eu 4 fois. Si on le pack maintenant, on l'a 4 fois, les mecs. Cordoba. Bon. L'avantage de Cordoba, c'est qu'il est très bien noté. 97. Le désavantage, c'est qu'on l'a. Mais bon, on préfère avoir Cordoba que Riken tout pourri. On est d'accord, les gars. Du coup, SBC. On va le garder en pile morte, les mecs. Bref, les mecs, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Merci à vous d'être venus. Franchement, bah, on a eu plein de cartes spéciales comme prévu. Bah, je regrette pas d'avoir joué les 90 matchs, hein, vraiment. Non, franchement, on s'est mis bien. On a pu faire des SBC. On a récupéré des petits trucs sympathiques. Et on est encore pas mal au niveau des fodders. Du coup, c'était cool, voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus en vous souhaitant du coup une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao.